Bonjour, bienvenue sur Outils Légers, la chaîne spéciale scout. Aujourd'hui, je suis avec mon scout russe Tier 9, le T-54 Light. Voilà, nous sommes sur la map Lakeville en standard et nous nous trouvons donc au sud. Donc nous avons 3 tiers 10 dans la partie, ensuite du Tier 9 et du Tier 8. Deux artis, deux scouts de chaque côté et deux charlots. Voilà. Quelques TD, il n'y a pas à dire. Hein. Nous avons quand même 5 TD de chaque côté et après 4 chars moyens. Donc je vais me rendre directement. Regardez sur la minimap, ma zone de spot habituelle qui se trouve là, ici à côté des maisons, là par là. Et après, si je peux, j'essaye d'avancer un peu plus. On va voir comment ça va se passer. On voit que nous avons une Batchat, Scorpion G, la team qui a l'air de pousser pas mal vers la ville. Voilà, le T49 a été spoté. Voilà, la Batchat fait un très très bon boulot, donc du coup, de détection. La 25 tonnes, les amis, est partie flanquer là-bas. Je calme un petit peu le T49 pour qu'il se planque. J'ai pas été spot puisque j'étais derrière les buissons. Et là, je vais à ma zone de spot. Voilà. Je temporise un petit peu, la Batchat on ne sait jamais, j'ai pas été spot, voilà. Donc cette zone est très très bien située, vous pouvez spotter naturellement tout ce qu'il y a devant vous, hein, pas, voilà. Par contre il faut faire énormément attention, ici, vous voyez, ici, hein, si des chars ennemis arrivent là, bien, vous êtes de suite spot puisqu'il n'y a rien pour qui vous protège, voilà. Pour le moment c'est pas le cas, mais je fais attention, vous voyez. Hein, notre team s'est vraiment regroupé ici pour taper. Hein. Voilà, donc j'enchaîne quelques dégâts par détection. Notre Batchat a pris quelques dégâts, mais a spoté aussi pas mal de chars. Voilà, lui spotte plus vers la ligne 8-9, et moi je spotte plus vers 4-5 quand même. Voilà. Je fais attention de ne pas être spoté toujours ça. Le Centurion par se noyer. Il a joué un peu, alors est-ce qu'il s'est mal placé? La dernière fois je suis tombé moi aussi, mal positionné, voilà. Là je pousse un peu plus, j'avance dans le deuxième buisson. Voilà, je fais attention. On revoit du coup le Scorpion G. Du coup je suis spoté par le STG. Même le Scorpion, il faut bien voir. Nous venons 3-1. Nous avons perdu côté ligne 1-2, mais vous avez vu, les ennemis sont pas trop poussés. Par contre, notre team se repositionne pour boucher, vous voyez, cet angle, comme je veux dire. L'STG sait que je suis par là, il attend. Moi, je tire pas parce que je vais être vu automatiquement. Donc, je temporise. Il essaye de se repositionner, vous voyez, prêt à taper. Moi, j'en fais de même, hein, parce que je sais qu'il va voir. Voilà. Très très bon canon, hein, l'STG. Hein, il a un alpha quasiment de 400. Je peux vous dire que il fait mal. Hein. Malgré ses bons spots, vous voyez, nous sommes à 4-2. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que nos chars lourds. Donc je décide d'avancer moi aussi. La Batchat a avancé elle aussi dans notre team, vous voyez, pour qu'ils soient pas pris, hein, parce que comme ils seront aveugles, voilà, les chars moyens vont les spotter. Voilà, vous voyez, là c'est même le scout ici qui tire à l'obusier. Je suis tranquille. Et voilà le fameux alpha de l'STG. La Batchat vient. Donc là je ravance, je vais me placer ici, juste devant, là, pour jouer dans ma tourelle, plus ou moins. Vous allez voir. Donc là j'ai un peu trop avancé. C'est parce que je voulais mettre une dans la Batchat. Et de suite, je le paye. Vous voyez.
Alors là, je fais de la détection, c'est toujours l'éternel problème. Hein. Les chars vous spotent de loin et nos chars lourds vont pas pouvoir les voir. Donc, du coup, il vaut mieux assister. Voilà. Nous menons 7-3 quand même. Hein. La partie bien avancée, nous avons pris le contrôle les trois quarts de la carte, donc logiquement, ça devrait aller. Mais bon, vous voyez. Bien. Allez, c'est un peu plus. Ah, il y a des jours ça passe pas. Hein. Hop là, est-ce que c'est pour moi? Non, il va pas. Loupé. Pareil. Quand ça veut pas, je préfère me planquer un peu à force. Hein. Ça devient dur. Hein. Et voilà, un tir pour rien. Et celui-là a voulu passer. Allez. Ça va pousser ligne 1-2. Que le centurion et les artilles. Allez, il est en train de baquer. Alors, j'ai pas de chance, hein. Je me jette là, j'ai toujours pas chargé. J'autoloque l'évée. Je bounce dessus. Je passe devant l'artille. Je tamponne celle-là. J'ai fait 300 de dommages, mais pas plus. Et voilà. Voilà, partie tranquillou. Pas mal de spots. Un petit peu de dégâts. On va regarder les résultats. Les résultats de bataille. Donc, je finis ainsi de maîtrise classe 1. Éclaireur. Tirer pour détruire. Et je fais une médaille patrouille. Je spot deux chars, tout simplement. Je fais quand même 4077 d'assist. Voilà, donc il n'y a pas à dire. J'ai un petit boost de l'STG à 390 quand même. De dégâts critiques. Et je fais 1500 de dommages. Voilà. Et je termine 3 chars. Et c'est dommage, je ne sais pas où sont passés mes obus ou qu'est-ce que j'ai fait avec les deux artis. Mais voilà, ça arrive. Je finis quand même premier de ma team. Avec 1244 d'XP, ma médaille patrouille, la batchat a fait éclaireur, puisque lui, en début de bataille, c'est vrai, en allant au milieu, a bien allumé toute la map. Et kamikaze pour le TVP, qui tue l'artille, je crois, à la fin. La batchat a très bien tapé, 3700 de dommages en début de bataille, il a bien vidé son barillet, à bon escient, comme on dit, voilà. Chez les ennemis, c'est le Centurion qui finit premier de leur team. L'STG sûrement avec du dégât et sûrement un peu moins de spot, voilà, pas du tout. Voilà. Et là, la team, ça a quand même tapé assez bien. Donc voilà pour cette bataille sur Lakeville. Donc si vous aimez, abonnez-vous, hein, c'est parti commenter un char léger. Laissez-moi un commentaire, je vous répondrai. Et je vous dis à bientôt pour une partie commentée. Ciao, ciao!